Le repère du clan Arracheuil, niveau 1, oula. Alors, voyons voir des cavernes. Sûrement une zone de prison par ici. Vous voulez pas me suivre? Oh les shits, oh les shits, ils me suivent toujours pas, les deux clampins ne me suivent toujours pas, j'en ai marre en fait. Oh, quel gars, oh, bouge-toi. D'accord, je m'en charge. Il est où lui? Putain, et lui il fera rien du tout tant que je l'aurai rien dit, d'accord, très bien. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça va être vraiment compliqué cette histoire. J'espère que vous aimez quand c'est compliqué. Quel gars, bouge-toi. Quel gars, bouge-toi, réellement. Non, mais il y en a partout là. Mais au secours. Donc vraiment là ça va être compliqué à ce point. Ça va être compliqué à ce point. Ok, j'ai compris. Pensez à fermer la porte après, hein. Ferme la porte. Putain, ferme la porte en étant à l'intérieur. Quel gars. Ferme la porte. Voilà. Et on se met loin. Des ennemis sont en vue. Non, des ennemis sont pas là. Et là, oui, il y a des ennemis proches, il faut juste que je me recule assez, je sais. Ça va être extrêmement énervant, tout cela. Vous savez pas jouer en équipe ou le jeu il est Qu'est-ce qui se bourré passe? comme jamais? Je crois que le jeu est bourré comme jamais, en fait. Ouais. Bon, on va sortir. On va se reposer. Voilà. Ok, je vais peut-être pas aller dans la salle principale. Il y a beaucoup de hache de lancer là, non? Ouais, la salle principale, ça m'a pas l'air d'être une extrême bonne idée. Même si j'ai très très envie d'essayer. On va déjà aller faire le tour. Non mais par contre les gars, arrêtez d'être con. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le comportement, je l'ai mis. Que c'est ça ou non? D'accord, bon, Oui, ça qu'est-ce qui se suit, passe? je sais pas qu'est-ce qui branle. Non, bah non, il bouge pas, il y a que lui qui bouge, il y a que lui qui fait des trucs classiques, et puis le reste du monde je ne sais pas. Hop, ça on s'en fiche, chacun se débrouillera, mais je ne sais pas. Je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, ça m'énerve, c'est un truc que je ne comprends pas, ça. Aucun des deux teubés me suit. Bon, bah, falloir jouer avec. Moi, j'ai pas le choix, je suis obligé de jouer avec. Ça ne m'enchante guère. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Je vais te rendre là. Ah, j'ai vraiment pas le choix de. Oh là là, oh là là, oh. Voilà qui est énervant. Moi, je Qu'est-ce qui se passe? pense à 100% que c'est à cause de ce personnage. Ce qui fait que ça va être compliqué.
Au combat! Les ennemis sont en vue. Engeance des abysses! D'accord, je m'en charge. Aïe. Voilà. Quel garde tu dis si tu t'ennuies, hein? Brandy, allez, merci. Qu'est-ce qu'on a dans cette petite forge? Ah bon, on a un petit coin de live. Très très bien. Des ennemis sont proches. Sans deck. Des ennemis sont proches. Je ne le savais pas. Non mais vraiment. C'est-à-dire que vraiment là, ça va être compliqué à ce point. C'est-à-dire que moi, ça va m'énerver, en fait. Bon, surtout avec lui qui fait n'importe quoi. Au niveau des sorts, ça va. Il faudrait que j'arrive à dégager une petite zone pour me reposer. Ce qui n'est pas gagné du tout. Donc, ouais, ça va... Je le répétais souvent que ça va être énervant. Mais là, je joue avec des contraintes. C'est incroyable. Là, c'est une grande salle, il va y avoir du combat. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas ramener ce qui te sert de derche juste là. Suivez-moi. Non, Kelgar, tu vas en premier. Allez, fonce, fonce mon grand, fonce, là-dedans, et attaque. Toi, tu rentres aussi, et attaque. Toi, tu rentres aussi, et tu vas me faire un petit sort de zone ici par là. J'ai dit par... Elle m'énerve. Elle voit pas. Ok, par là. Voilà. Il y en a un là d'ennemi d'ailleurs, ouais. Kelgar, quand tu veux. Et toi, tu rentres. Prends ça. Hop là. Et normalement, je suis safe dans cette zone. Oui, une zone safe. Parfait. Bien, bien, bien. Ensuite, ouais, je vais essayer de faire tout le tour, parce que je suis comme ça, même si ça va être compliqué, je vais faire tout le tour. Et cette salle-là est très étrange, ce couloir-là, il est pas bizarre. Et là, normalement, ça doit tout se relier par là, par là, par là, ok. Bon. Si vous pouvez tous le suivre, s'il vous plaît. Non, d'accord, vous voulez pas le suivre. C'est un petit peu énervant. Là, on a un piège. Ok. Oui. On a un piège. Donc, tout le monde devant le piège. S'il vous plaît. Oui. Et... Tu crochettes le piège. Piège déclenché. J'ai que 14. T'es sérieux? J'ai que 14 en... Ah bah, une pièce que je ne connaissais pas, par contre, il y a des orques là-bas, du coup. Kelgar, tu vas y aller. Kelgar, tu vas y aller. Voilà. Ah mais ils ont que des haches de lancer. Ok, je comprends mieux certaines choses, moi. Oui, à l'attaque. Vas-y, go. Approche-toi un petit peu plus. Ah, mince. Voilà. Et on... Revenez là-bas, vous deux. Non, c'est bon. C'est bon, en fait. Kelgar, reviens là. Toi, tu reviens là.
Ok, bon, ça c'est réglé. Cette porte-là, elle est très étrange. Quelle gare, tu l'ouvres? C'est une... C'est ce qui semblerait être une cuisine. Mais je peux me tromper. Ah oui, le garde-manger, en effet, pour couper la viande, pour garder la viande au frais. Ouais, non, mais je comprends tout à fait. Petit garde-manger, tout ce qu'il y a de plus normal, en effet. Je vais me diriger de ce côté-là. Ok, il n'y a rien ici. Du coup, on va aller à ce niveau. À ce niveau, j'ai un croisement. Je pense qu'à ce croisement, je vais rencontrer des gens. Ah, je vois une porte qui n'est pas sur mon... qui n'est pas sur mon plan. Du coup, bonjour, messieurs. Hop, allez. Avance un petit peu, voilà. Et puis, fais ça. Ok. Hop là. Ah, déjà, ils attaquent à peu près tous automatiquement. Ok, bon. Ça se passe bien, j'ai encore plein de sorts. Ok. Cette porte, il y a deux portes. Et là-bas, qu'est-ce qu'on a? Ces orques, j'en reconnais certains. Nous les avons combattus. Nous leur avons permis de fuir quand ils ont abandonné le combat. Ces orques ne sont pas en état de se battre. Ils ont vu trop de combats. Se battre avec eux, ce serait gaspiller nos talents. Ouais. Ils ont l'air en piteux état. Beaucoup risquent de ne pas passer la nuit. Ça me va. Tout ce que je veux, c'est partir d'ici. Laissons-les se vider de leur sang. Une mort rapide serait trop douce. Ok, donc il y a des orques là qui peuvent décéder à tout instant et j'ai décidé de les laisser en vie. Sauf que là, attends, attention, attention, je vois quelque chose qui me plaît guère. Donc d'accord, ces deux salles-là, ce sont des orques qui peuvent se vider, qui peuvent mourir à tout instant. J'espère que je fais pas de bêtises. Là, j'ai un, deux, trois gardes. Ok. Et ben, quel garde, you know what you gonna do? Jean, messieurs. Jean, messieurs. Jean, messieurs. Jean, messieurs. Oula. Encore un petit peu, s'il te plaît. Oups, attention. Toi, tu vas aller là-bas. Kalyar, je sais que tu vas bientôt crever, mais quand même. S'il te plaît. Ah, bien joué, ma grande. Il n'y en reste plus qu'un. Mais. Oh, merci. Ces gardes étaient un peu résistants. Voilà qui est bien étrange. Je vais ramasser ça histoire de les identifier. Je sais. Voyons voir. Oh, armure de cuir cloutée. Pas mal. T'es KO pour toi. T'as quel gars, plus je lui mets, je me dis que ça va le faire, mais bon, une rondache. Ouais. Ouais, bof. Hein. Cimetière à deux mains. Cimetière à deux mains. Armure de cuir cloutée, bon. Elle peut pas se mettre d'armure, lui. Lui, il a une armure beaucoup trop classe. Ah, mais je peux lui rajouter des trucs. Oui, je vais lui rajouter des trucs à lui. Je vais leur ajouter du bordel, je pense, à un moment. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je
pense que c'est pareil, de l'arme, des armures. Et non, la choc. Ok. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh là 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 là, petite chambre de torture, semble-t-il. Oui. Bien étrange. Bien, bien, bien étrange. Bon, donc du coup, c'est la salle-là, je ne m'en occupe pas. Ok. Un journal, un journal. Une armure et un diamant. Oh. Robe de combat de magicien. J'ouvre la route. Bah merci, enfin quelque chose d'utile. Vu qu'elle avait absolument rien. Alors, plus 0, plus 0, plus 0. Art de la magie, concentration. Ah bah oui, par contre, on va l'avoir. Mais bon, c'est toujours ça. Ah ouais, déjà depuis la classe, là. Là, déjà, il y a quelque chose. Revenons sur ce journal. Un journal. Sujet numéro 1. Fallot d'eau profonde. Fallot d'eau profonde? Pardon. Pardon. Mais ça me parle. Fallot d'eau profonde, sujet mâle, cheveux blancs, nez crochu dégarni, capturé sur la route du commerce, torturé pendant 3 jours avant de mourir, d'accord. Analyse, recours trop rapide à la torture physique, son esprit était faible, la torture mentale aurait pu s'avérer probante. Sujet numéro 2, Kileana d'eau profonde, femme elfe, cheveux bruns, trop charnu pour une elfe physiquement faible. Capturé près du fort de Home, a perdu l'esprit suite à 4 jours de torture, s'est suicidé. Analyse, nous aurions pu la convertir. La prochaine fois, placez le sujet dans une pièce vide pour éviter qu'il ne se reproduise pareil incident. Sujet numéro 3, inconnu. Humaine, âgée ou outrageusement loquace, se tuait pendant la première session. Analyse, il faut que j'apprenne à me contrôler. Sujet numéro 4, Issani d'eau profonde, ça me parle aussi. Humain d'âge moyen, en bonne santé, esprit étonnamment résistant, résiste à la torture mentale depuis une semaine. Il va falloir que je passe à la torture physique pour le briser. Et il cédera. Celui-ci me donne du fil à retordre. Note personnelle. J'ai le T commence à perdre patience devant mon manque de résultats. Briser Asseni me permettra de reconquérir l'estime de J'ai le T. Je pense que ce J'ai le T, ça doit correspondre quelque part... pas un hologramme d'ailleurs, mais c'est peut-être un code pour quelque chose. C'est même fortement un code pour quelque chose. Donc c'est un journal de torture. C'est un journal de torture. Et ben je n'en veux pas. Mais à qui appartenait ce diamant? Ça c'est une vraie question. Je peux... Ah bah si. Non, je peux pas savoir ce que c'est. Ok. Ok, très bien. Là je peux pas fouiller. Ok, ok. Ok, ok, très bien. Bon. Des petites analyses plus ou moins intéressantes. Est-ce que je, quand même je suis un salaud et puis je vais tuer ces pauvres personnes? Ah, je reste bon. Attention, attention, attention. Ça, c'est un couloir. Et je pense que... je pense que cette salle-là ou cette salle-là, quelque part par là, dans cette zone, doit y avoir un escalier. Un escalier ou quelque chose qui ressemble. Je ne sais pas. Il faut que je trouve quelque chose. En tout cas, je vais quand même aller voir. Je suis curieux. Moi, je suis curieux. Ah oui, il y a beaucoup d'orques blessés, là. Si je leur parle. Suivez-moi. Non. Si je leur... Oui. Bon. Oh, oui. Bon. Ok. J'ai pas compris pourquoi tout le monde est venu dans la porte, mais... Ok. Oui. Ouais. On va les laisser à leur sort. À mon avis, un simple... Un simple sort de Kara, et puis c'est réglé pour eux. Là, c'est un... J'ai déclenché un piège de poison, j'ai déclenché un piège de poison. Soit c'est du poison, soit c'est de l'acide. J'ai réussi à un point près pour Kelia, ouais. J'ai dû déclencher un piège au niveau du poison. Ah, par contre, là, empoisonné pour...
Pour mon casavir, hein, ça me déplaît, ça. J'aimerais éviter que le poison l'infecte plus, du coup. Attends, les ennemis, c'est pas ça quand même. Réellement, ils considèrent les orques blessés comme des ennemis. Très intéressant, mais pas cool. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard, on verra plus tard. Qu'est-ce que ça baisse? Sa dextérité. Donc là, j'ai le couloir, ce couloir qui donne à cet endroit très précisément. Ok. Ça, c'est encore des orques blessés. C'est pas du tout, pas du tout, du tout. Pas du tout, du tout. C'est même tout l'inverse. C'est tout l'inverse en fait, ça. Par contre, ouais, Kiara, je sais qu'il faut que tu vois où est-ce que tu touches. Hop là, par contre, c'est quand tu veux, hein. Hop là. C'est tout bon. C'était une prison, ça, c'était des gardes, ouais. Ça m'a un peu surpris, je reconnais. Oh, tiens, tiens, tiens. Alors ça, je m'en doutais un petit peu qu'il y avait quelque chose comme ça. Bon, Codex... What? Codex nécromantique à les livres de recettes détaillées. Alors ça, c'est pour toi. Ça, c'est très intéressant. Arc court. Tiens, bah prends-le. Et j'en avais vu là. Des flèches, c'est léger. Et des flèches, c'est léger. Un code. Alors ça me. Ça me perturbe un petit peu tout ça. Je suis curieux. Et ça, qu'est-ce que ça va être? J'ai très très peur de ce que je vais découvrir. Quelle gare, à tout l'honneur. C'est la suite. C'est la suite. Très très bien. Mais j'aimerais au moins passer un niveau, s'il vous plaît. Très bien, alors si ça c'est la suite, ça veut dire que toute cette zone-là c'est uniquement du farm, ce qui va me permettre, et je vais continuer l'exploration en fait. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que cette zone très étrange tout ça. Suivez-moi. Suivez-moi. Je peux pas aller là-bas tout seul comme un grand, non. Bon, mais quelle gare, pareil. Qu'est-ce qui m'attend ici? Oui. C'est un guet-apens, non? Ça n'a pas l'air d'être un guet-apens. Cette porte-là doit être liée à ce couloir. Et cet endroit-là doit être lié par ici. Il n'y a rien du tout. C'est très probablement un campement. Par contre, là, je suppose 100% qu'il y ait quelque chose. Oui. Oula, 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 où ça? Je me suis fait avoir? Ils étaient où? Ils étaient derrière. Ils sont, ah, ils sont forts, ils sont très très forts. Kara, casse-toi, Kara, casse-toi, Kara, casse-toi! Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, ok. Je me suis tellement fait avoir, bravo. Ouais, par contre, les gars, s'il vous plaît. Hein. Ok.
J'avoue m'être fait avoir. Je me suis bien fait avoir. C'était une habile attaque. Soin modéré. Ah, enfin. Une potion utile. Non mais bravo le jeu, tu m'as eu. Très fort. Le jeu est très fort. Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis... Oh, ça m'a l'air d'être un débarras. Avec très probablement... quelques... Oui, le butin. Le butin. Ouais, c'est très clairement un butin. Ça m'inspire pas confiance. Ça ne m'inspire pas confiance. Il y a sûrement des petites araignées qui doivent cohabiter. Il y a sûrement des petites araignées qui cohabitent. Oh oui, hein, c'est même plus une supputation. Ça, c'est... Oh oui, je dois essayer de passer quelque chose ici. Là, par là, ça, oui, très bien. Qu'est-ce qui se passe? On avance. Ouais. Ah, c'est son aura depuis tout à l'heure qui augmente mes jets de sauvegarde, ok. C'était une chauve-souris, ça, ok. C'est une chauve-souris. Qu'est-ce que... Où ça? Où ça? Ici. Merde. Oh, ils étaient cachés. J'aurais dû m'en douter une nouvelle fois que c'était un guet-apens. C'est quand tu veux, toi. Hein. Bon, on va se mettre là. Voilà. Bon. Je me suis encore fait avoir. Ça fait deux fois que je me fais avoir quand même sur ce genre de choses. J'en déduis que la complexité de cet endroit et surtout l'ingéniosité de certains de ces orques sont pas mal. Pas mal du tout en effet. J'aurais dû le voir venir. Il y a de l'ingéniosité. Quand vous voulez, les gars. Hein. Les attaques, vous savez. C'est dehors, ok. Un parchemin, ouais. Et là, il n'y a plus d'ennemis. Ok, ils étaient juste derrière. À mon avis, j'ai dû activer quelque chose quand j'ai ouvert ça. Compliqué, déjà, ce premier niveau. Très compliqué. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mis là, très bien, J'ai pas compris ce que j'ai fait. Bon, donc du coup, il me reste cet endroit-là, et ensuite le centre. Ok, ça me va. Ok. Ça sent les mauvaises choses, ça pue. Oui. Un petit peu en retrait, car là, la porte, je sais où elle mène. On va pas y aller de suite. Cette porte-là, je sais où elle mène. Donc du coup, faut que j'aille par ici. Ok. T'occupe. Oui.
Oh, les petits. Des loups? Attends, ces loups, si moi je suis comme ceci, ils sont là. Oh, les petits loups. Oh bah. Merde, mais qu'est-ce qu'ils font avec des loups? Ne répondez pas à la question. Là. Ah, là. Il y a quelque Oui. chose. Du coup, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe? On va y aller. Oui. Oh oui, acolyte chaman. Oh là là. Ouh. Ça me plaît. Ça me plaît. Hop, préparation Suivez-moi. devant la porte. Oui. Cara en arrière. Personne derrière ici. Super. Khadgar, on signale. Maintenant! Je peux le faire. Tout le monde y va. D'accord. Et toi, un sort. Et ça continue, hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On rentre. Faut rentrer là. Ah, ils sont là, ok. Voilà. Kara ici. Et hop là. Impeccable. Je pense qu'on s'est bien sorti là. Bon, Brandi, c'est il s'est rien fait, mais pas grave. Alors, qu'est-ce que nous ont laissé ce des bâtons? Bah tiens, prends le bâton. Oh, dague, résidu d'âme et petite armure. Chargé pour bouger. Voyons voir un petit peu. Oh, dague plus un serre de taguette. Qu'est-ce que ça fait? Altération. Oh, c'est beaucoup mieux que ma dague classique. Oh, très très bien. Et cette armure de peau plus 2, armure intermédiaire, modification 3, 4, moins 3. Suivez-moi. Très bien. Et le bâton, toi tu as eu un bâton. Bâton plus 2 et tu as un bâton tout court. Eh ben écoute, ce bâton plus 2, tu vas le mettre. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Des pièces d'or, quelques petites pièces. Impec. Bien, ça devait être une salle sûrement de sépulcre ou de magie, je ne sais point. Je ne sais point, je ne sais pas. Continuons un petit peu par ici, et normalement on a bien tout fait. Tout le tour. Ah. Oui, je pense qu'on revient là d'où l'on était avant. C'est-à-dire ici. Ok. Oui. Très très bien, du coup. Ouais. Merde, quel gars. C'était un guet-apens. J'ai vu l'une Brandy. des ennemies. Ouais, Brandy, vas-y. D'accord, je Kara. charge. Des gamins. Des gamins. Hop là. Un petit peu de vie. Ah, plus de vie. Quel gars, putain, les gars, ouais, vous savez qu'on met beaucoup de temps pour rien là. Bien, merci. Je me suis encore fait avoir et là-bas il y avait un déclencheur. Très très bien. Bon, comme je le disais avant de me faire guet-apender, il y a des loups. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il des loups ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Du coup, Pandui, montre-nous que tu es un ami des bêtes. Bonjour les petits loups.
Non. Je vais pas faire ça. Vous m'obligez à faire des trucs horribles. Vous êtes au courant. Vous êtes au courant, les petits loups. C'est votre faute. J'essayais d'être sympa. Je voulais être sympa. C'est votre faute. C'est des loups qui me gèlent. Charisme. Je vous déteste. Je voulais vous sauver. Vous m'avez pas laissé le choix. Mais vous m'avez donné du cuir. Donc c'est cool. Les ennemis sont proches. Ah. Des ennemis sont proches. Mais quels ennemis? Vous voulez dire qu'ouvrir cette porte, ça fait des ennemis qui sont là? Bien alors, essayons de les localiser. On va tous revenir dans cette salle, je... De toute façon... Suivez-moi. Ah d'accord, c'est... Oui, non, en fait, ils étaient juste là. Ok. C'est moi, pardon, excusez. Et bah, vu qu'ils sont juste là, on va les attendre vraiment tout devant la porte. Qu'est-ce qui se passe? On va préparer une petite attaque. Parce que je sens que derrière cette porte, ce que je me suis gardé, ça va pas être la petite bagarre. Hein. Ça va être. Ça va être le fun en bar. Kara, recule. Recule un tout petit peu. Et toi, tu viens là. Bien. Donc là, il va y avoir la bagarre. Là, je la sens bien. Là, je vois 1, 2, 3, Pélo. Là, j'en vois même par ici, sûrement. J'en vois plein. Du coup, qu'est-ce qui m'attend? Kelgar, pareil, même stratégie. C'est y part dans 3, 2, 1. Voilà. Il y a en fait personne, c'est ça? Non mais ça va aller très vite je pense. Il y a un piège que je me suis pris. Ok. Ah non, 8, voilà. Et il n'y a plus personne. Bah, il n'y a plus personne. Ça, c'est sûrement une salle de trône. Hein. Je pense que c'est même une salle de trône, j'en suis sûr à 100%. Et il y a des pièges, genre partout. Et il y a un petit coffre. Sabotage réussi, pas génial. Hache de lancer, c'est pour... Bah tiens, prends. Le petit coffre là. Toujours utile. Ok. Il y avait des pièges. J'ai esquivé. Très bien. Il n'y a rien d'autre. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Là, c'est de l'autre côté. Très bien. Et ben, s'il n'y a rien d'autre, nous allons partir pour cet escalier là-bas. Oui, cet escalier là-bas qui va m'amener normalement à l'étage numéro 2, enfin le moins 2 plutôt. Alors, go. Alors, que vois-je sur mon plan? J'ai un escalier, enfin, escalier, j'ai un couloir, une chambre ici, un premier couloir ici, un autre couloir par là-bas, et ce qui semblerait être la salle principale. Eh ben écoutez, moi je vais... Ah bah, non, en fait, écoutez, oulala, 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 que se passe-t-il? Mais, s'il te plaît? Il y a des gardes un petit... Il y a des gardes un peu... Genre, mais vraiment, les gars, au secours. Mais, tu peux... Genre, quel garde, tu peux pas passer, genre, tu te fous de moi. Bon. Toi, tu t'occupes de lui.
Bon, ce sont des orques classiques. J'allais vous dire, j'allais couper l'enregistrement ici pour laisser 5 secondes à l'ordi de se reposer. Bon, au final, voilà, c'est réglé. Kara n'a servi à rien. Est-ce que c'est grave? Non. Je pense que c'est la fin de ce repère, en tous les cas. Mais du coup, je vais quand même faire une petite pause. Et puis, de toute façon, ça va reprendre dans quelques secondes. Bref, à tout de suite.